juste une remarque personnelle. Hello, there's something personal. Isn't it fantastic when it works, what we've just been told by Emmanuel Druon? Isn't that fantastic? Maybe we'll meditate on that all together later on. I have come... Faire de sorte d'utiliser aujourd'hui la puissance d'impact de l'industrie des cinémas pour la mettre au service d'un message environnemental, d'une forme de réconciliation entre l'homme et la nature, basée principalement sur l'émotion, sur la médiation scientifique. Peut-être pour me présenter en quelques mots, je suis écologue de formation, donc j'ai étudié le fonctionnement des systèmes entre les êtres vivants et les écosystèmes. Donc ça, c'est ma formation de base. Je suis tombé un peu dans le cinéma par hasard. Puis un jour, j'ai eu la chance de partir en Antarctique. Puis un jour, j'ai eu la chance de faire la marche de l'Empereur, qui est devenu cette espèce de truc complètement dingue. Et à notre insu, d'ailleurs. Et à la sortie de ça, j'ai dit, mais comment faire aujourd'hui pour arriver à concilier les deux, c'est-à-dire ma conscience écologique, appelons ça comme on veut, et quelque chose qui soit influençant, parce que par rapport à mon expertise, moi j'ai eu la chance de me balader dans les plus beaux endroits du monde, et je vois le monde qui se dégrade, je vois mes enfants qui n'auront peut-être pas la chance de voir un manchot empereur, peut-être pas la chance de voir un gorille en Afrique centrale, etc. Et je me dis, je veux faire quelque chose. Parallèlement, j'avais des scientifiques autour de moi qui me disaient « Mais on aime bien votre manière de passer la connaissance, on aime bien votre manière de faire passer l'émotion, parce que du coup, ça nous rend plus audibles. On a toujours l'impression d'être trahi par les médias qui vont un peu trop vite, qui simplifient un peu vite, etc. » Donc je suis parti sur cette base et j'ai créé une ONG qui s'appelle Wild Touch, qui a aujourd'hui 6 ans d'existence, qui a plusieurs réalisations dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui essaye de faire la chose suivante, parce que quand vous êtes documentariste, vous êtes quand même dans une drôle de situation. C'est-à-dire, moi j'appelle ça le paradoxe de la soupe aux légumes. Vous faites des films que tout le monde juge effectivement intéressants, importants, mais personne n'a envie d'aller les voir, parce qu'à partir du moment où on est dans le cinéma, on préfère aller manger un burger que d'aller manger de la soupe aux légumes. Ça, c'est un peu notre malédiction à nous, les documentaristes. Donc j'ai essayé de faire de sorte qu'aujourd'hui, on puisse donner de l'influence, on puisse passer un message à travers ce grand média, mais pas seulement, et vous allez voir pourquoi. Je vais vous citer un exemple. J'ai fait récemment un film qui s'appelle « La glace et le ciel », qui raconte la vie d'un scientifique éminent qui s'appelle Claude Lorius. Claude Lorius, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a découvert dans les carottes de glace qu'il est allé forer en Antarctique, à travers une aventure incroyable, je ne vous la raconte pas, je vous renvoie sur mon film. En tout cas, Claude a découvert qu'il y avait dans les bulles d'air de l'Antarctique un message climatique qui nous permettait de prévoir le réchauffement climatique. J'ai travaillé avec des glaciologues, ces gens sont beaucoup investis sur ce film, ont donné beaucoup de temps, etc. Et le film s'est terminé, il est sorti au cinéma, je me suis retrouvé dans la situation où les scientifiques avaient envie d'utiliser ce film, ils avaient envie de l'utiliser pour des conférences, ils avaient envie de l'utiliser dans des séminaires, dans des colloques, etc. Sauf que moi, je ne pouvais pas leur donner parce que je n'avais pas les droits de ce film. Deuxième remarque, je rencontre des grandes ONG, l'IUCN, les WWF, etc., des gens qui ont un vrai impact aujourd'hui sur ces questions de la conservation de la nature, qui me disent « Nous, on est en demande d'images, est-ce que vous ne pouvez pas nous passer des images ?» Parce qu'on sait que vous allez en tournage, vous voyez des images qui tournent derrière, vous allez dans des endroits fabuleux, vous avez des techniciens incroyables, des talents avec vous qui nous font des images, est-ce que vous ne pourriez pas donner des images ? Et je réponds non, parce que je n'ai pas les droits de ces images. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec Wild Touch, c'est qu'on a essayé d'inventer un prototype qui s'inscrit en droite ligne dans tout ce que vous entendez aujourd'hui et ce que vous allez entendre depuis dans cette logique de l'économie positive, faire de sorte de mélanger l'immélangeable, c'est-à-dire mélanger un modèle profit-non-profit pour faire de sorte qu'on puisse à la fois raconter des très belles histoires au cinéma, mais que dans la même énergie, on puisse faire de la pédagogie, on puisse soutenir des scientifiques, on puisse supporter l'activité de grandes ONG, comme celle que je vous ai citée tout à l'heure. C'est évidemment pas simple, parce que c'est faire se réunir des mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler entre eux, c'est faire se réunir des éléments juridiques qui n'ont absolument pas l'habitude de travailler entre eux. Et aujourd'hui, on en est arrivé, à travers un travail de plus de 5 ans, à faire quelque chose qui fonctionne à peu près, qui nous permet aujourd'hui, White Touch, de rentrer dans la chaîne des droits de mes films pour avoir en contrepartie l'usage de ces films
sur des modes d'action philanthropique. Ça pourrait être des endroits comme ça, ça pourrait être des grands congrès scientifiques, puisque les films que je fais, je pourrais mentionner La glace et le ciel, donc cette histoire de Claude Lorius sur le réchauffement climatique. J'avais fait auparavant, pour ça que le discours tout à l'heure m'a touché, j'avais fait un film sur la forêt autour de Francis Allais, qui depuis 50 ans se bat pour la sauvegarde des forêts primaires. Je suis un peu obsédé par ce rapport aux natures. Bref, tout ça pour dire que ces films peuvent servir, ils sont diffusés dans des festivals, etc. C'est aussi l'opportunité, quand vous montrez un film, de réunir des gens dans une salle, de les faire voyager, de leur raconter une histoire, et du coup de susciter un débat qui est un peu plus positif que simplement dire « c'est pas bien ce que vous faites, ou vous avez tort de rouler en bagnole ». Donc ça, c'est un premier élément. Et le fait de rentrer dans cette chaîne des droits nous a permis aussi et surtout de travailler la dimension pédagogique pour nous investir sur les générations futures. Ce terme me semble un peu galvaudé, sauf que quand vous êtes dans une salle de cinéma et que vous avez un parterre de petits gamins comme ça, que vous leur parlez du réchauffement climatique, puis qu'il y a une petite fille de 7 ans qui lève le doigt puis qui nous dit « mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben, vous ne pouvez pas les laisser tout seuls, ces gamins. Vous êtes obligé de leur donner des outils, vous êtes obligé de leur donner des éléments de compréhension de ces systèmes qui sont complexes, qui sont parfois anxiogènes, Jacques Attali l'a dit tout à l'heure, mais il faut les aider à comprendre, il faut donner des outils aux profs pour qu'ils puissent s'adresser à ces jeunes, et ça tombe bien, puisque nous, on a ce savoir-faire de médiation, on a un joli mot maintenant, on appelle ça l'edutainment. On a mélangé l'entertainment et l'éducation, c'est magnifique, peu importe, en tout cas, je pense que la fin justifie les moyens. Donc on a réussi à, par cette logique de rentrer dans la chaîne des droits de mes films, de faire de la pédagogie. On a mis des sites libres de droits sur le web, ça marche très bien. Le dernier site qu'on a fait sur La glace et le ciel, environ 2000 visiteurs uniques toutes les semaines, c'est quelque chose qui est utile. On donne des médias littéralement. Et le dernier élément, c'est qu'on peut justement arriver en support, en soutien de tous les scientifiques qui aujourd'hui en ont besoin. Et on n'est plus sur un mode aujourd'hui collaboratif, de synergie. Nous, on a des savoir-faire de communication, les scientifiques produisent de la connaissance, cette connaissance nous permet de raconter des histoires, de réabonder le système éducatif, et on crée comme ça quelque chose qui, à mon sens, a des vertus positives et nous fait avancer dans cette grande logique de la sensibilisation pour ce en quoi je crois, c'est-à-dire la réconciliation de l'homme avec la planète sur laquelle il vit. On se lance aujourd'hui sur, je vous ai parlé de la forêt primaire, je vous ai parlé de la grande question climatique, on se lance aujourd'hui sur un grand programme à 10 ans qui s'appelle The Flow of Life, qui est un plaidoyer pour la biodiversité, puisque je pense que ça va être l'autre problème, ou un des autres problèmes qu'on va rencontrer assez rapidement sur cette planète. C'est un programme qu'on a décidé de faire à 10 ans. C'est un programme qu'on continue à décliner avec l'écosystème média qu'on a déjà utilisé, puisque je pars du principe qu'on traite un sujet de différentes manières, avec différents médias, pour toucher différentes personnes. Le public du cinéma n'est pas le public du web, le public de la télévision n'est pas le public de l'éducation, le public des expositions n'est pas celui du cinéma. Donc on essaye de prendre un sujet comme ça, et de le traiter de différentes manières, pour toucher le plus grand nombre possible, et réaliser aussi par là même des économies d'échelle, mais aussi des économies de connaissances, dans la manière de se documenter, etc. etc. La grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire fonctionner tout ça. C'est assez simple de trouver finalement de l'argent en mode projet. C'est beaucoup plus compliqué, paradoxalement, aujourd'hui, d'arriver à trouver des financements sur le volet philanthropique et en particulier pédagogique. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, grâce à Jacques Attali, grâce à tous les acteurs qui sont dans cette salle, avec des outils de l'économie positive, en particulier des outils financiers, qui vont permettre d'inscrire le fonctionnement de White Touch, non pas en mode projet, mais en mode durée, pour simplement stabiliser les équipes, tout simplement pour permettre aux talents d'être en recherche et développement, et tout simplement pour permettre d'activer mieux ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc j'espère que ces quelques éléments vous auront permis d'appréhender ce qu'on est en train de faire, et j'imagine que vous allez passer et avoir plein d'exemples comme ça aujourd'hui qui vous permettront d'avancer. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Thank you.